Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. O te mananga e komisa yo. Babanzo nanga e sanjola yo. O oyonga na zomona ilongo libonza mena yote. Coucou ma communauté, salut la team. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les dernières vidéos. Alors, j'ai reçu cette vidéo, le live de Inosby, venant de beaucoup de personnes. Demeure vient voir, Inosby a donné son point de vue par rapport à Frima et tout. Il a carrément minimisé, il dit que ces trucs, ce sont des trucs préparés. Il dit qu'il a sorti le son qui a le plus de succès, que Basson y'a battu Nyonso et tout. Il a demandé que Batang il est son Oyo et les qui yango Nze Mounaye ou l'année n'a succès. Parmi Basson et Bimi Mikoloyo, Inosby a dit que les Afrimas sont des trucs préparés, qu'il fait pas sa musique pour les trophées, il fait sa musique pour les bookings, pour plaire à ses fans, et aussi pour avoir du succès, c'est tout, etc., etc. Alors vous m'avez demandé mon avis, c'est de ça qu'on va parler tout au long de cet élément d'entrée de jeu. Je vais rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Erwig. Faites un tour sur sa page Facebook, passez vos commandes sur le +32 465 34 36 38. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle la demandeur et mon coussinata, le hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, mon Instagram demeure officiel, TikTok @demeureofficiel, Snap demeure officiel et mon WhatsApp. C'est le +243 81 37 26 458. Pour ce contenu, je vous propose un verre d'eau bien frais, ok? À tous les amis qui nous suivent partout à travers le monde, vous aimeriez organiser un mariage, anniversaire, demande en mariage? Vous avez besoin du kit complet, organisation, animation, déco, service traiteur. N'hésitez surtout pas de contacter l'équipe de demeure officielle sur le numéro qui est affiché là ou encore le +243 81 36 26 458. Vous avez besoin d'un visa touristique pour la Turquie, visa d'études pour la Tunisie ou la Chypre. N'hésitez surtout pas de contacter le +243 82 0003 x 44 62. Ok. Voilà. Aussi, je vous invite de vous abonner massivement sur la chaîne YouTube Atassi de Bundes. Cette chaîne vous propose des très très bons contenus. Reparlons de Inosby. Je me rappelle que lorsque on avait annoncé pour Afrima, on a fait des lives. En tout cas, moi particulièrement, j'ai fait des lives. J'ai vu aussi d'autres chaînes en parler, comme Africa Movement de Thierry Mombaya par exemple. On a abordé le sujet, on a parlé de Afrima, on a invité vraiment les gens à aller voter massivement pour nos artistes, parce qu'on s'est dit qu'on était vraiment fiers hein, de voir qu'il y avait 3 artistes qui représentaient la République démocratique du Congo. Et si tous les 3 sortaient gagnants de ce grand concours, c'était la fierté de la République démocratique du Congo. Ça n'arrive pas souvent, alors on était très fiers. En tout cas, je suis sûre aussi que beaucoup de personnes sont d'accord avec moi qu'avec le remix de Yopé, nous tous en tout cas, on se disait que Inosby allait forcément gagner parce que c'était un son quand même à succès. Alors, on était très au taquet. Et lorsque il y a eu la soirée, en tout cas la finale, où il fallait annoncer les gagnants, nous tous, on était, enfin moi particulièrement, je ne sais pas pour les autres, j'étais très surprise de voir que Inosby n'a pas remporté, ne serait-ce que dans une seule catégorie. Franchement, j'étais grave dégoûtée. Je me suis dit, bon, après, j'ai essayé de revoir les choses et tout. J'ai compris qu'il y avait aussi, ouais, il y a eu des éléments qui ont pesé que j'aimerais partager avec vous, au fait. Inosby, ce n'est pas la première fois qu'il entre dans le dénigrement des trophées, des nominations. Surtout, avant, c'était parce qu'il n'était pas nominé. Quand il a été nominé au BET, le langage du discours a changé. Il a demandé aux amis de voter pour lui, etc. etc. Pourtant, la catégorie où il était nominé ne demandait pas qu'on puisse voter pour lui. Apparemment, bon, il n'avait pas trop la maîtrise de la catégorie aussi, voilà. Et puis, beaucoup de personnes ont vu clair par rapport à cette catégorie un peu plus tard, chose que nous comprenons parfaitement. En ce qui concerne Afrima, quand il a été nominé, c'est vrai qu'il n'a plus, au fait, parler négativement des trucs de nomination après BET. Mais quand le truc de Afrima est arrivé, il ne s'est pas prononcé sur le fait qu'il n'avait pas remporté. C'est maintenant qu'il se prononce.
Moi, je pense que si on doit déjà d'abord parler des nominations, que en ce qui concerne Inos B, il doit savoir qu'il y avait beaucoup de choses qui entraient en jeu. C'est pas seulement une histoire de j'ai fait un truc qui a connu le succès. Il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de choses. Il a parlé de Aya Nakamura. Aya Nakamura a dû présenter des excuses à Matt Pokora par rapport à son discours, au fait. Par rapport à son discours. Vous devez savoir que il y a beaucoup de choses qui pèsent. Mats Pokora n'est pas un artiste d'aujourd'hui, c'est un grand artiste de depuis longtemps. Aya Nakamura a commencé sa carrière il n'y a pas très longtemps. Et Mats Pokora, c'est un aîné. Et il a sorti des trucs qui ont cartonné aussi. Donc, à un moment donné, et il y a eu beaucoup de choses qui ont pesé tout autour de cela. C'est une histoire aussi de vote, d'abord. En ce qui concerne Aya Nakamura et Mats Pokora, c'était vraiment grave serré. Il n'y avait pas seulement Aya Nakamura et Mats Pokora, il y avait les Dadju dans l'histoire, il y avait les Ninho qui n'ont pas remporté. Il y avait les Ninho. Ninho a été certifié combien de fois? Ninho a été certifié combien de fois? Ninho certifié, Ninho certifié, Ninho certifié, combien de fois? Mais Mats Pokora a gagné avant Ninho. Ninho n'a même pas remporté une seule fois. Et donc il y a beaucoup d'éléments qui entraient en jeu au fait. Et il faudrait que Inos B tienne compte aussi des catégories où il était nominé. Ces catégories-là, dans ces catégories-là, il n'y avait pas n'importe qui. Il y avait des gens qui ont commencé leur carrière depuis longtemps, qui ont des éléments que si on met en avant, ça allait peser par rapport à Inos B aussi. C'est vrai que son son a connu un succès, mais le son de Inos B a connu un couac quand Jérusalem est venu. Il n'y avait que Yope Remix qui battait le record, Yope Remix, etc., etc. Et c'est sorti en 2019, Yuppé Remix, quand Jérusalem est venu. Jérusalem, juste avant Afrima, jusqu'à ce jour, ça a reçu combien de nominations? Combien de nominations? Ça a remporté combien de fois? Jérusalem a reçu quand même pas mal de trophées depuis qu'ils ont sorti leur son. Ça, c'est un succès planétaire, Jérusalem. Après, juste après, il y avait Yuppé. Si avant la sortie de Jérusalem, il y avait déjà Afrima, je suis sûre qu'il y avait beaucoup de chances ou encore beaucoup de probabilités que Inos B gagne. Mais il faudrait aussi tenir compte du fait que c'est une question de vote. Dans les catégories où Inos B était nominé, c'est vrai qu'il se pouvait qu'il puisse voter, mais la fanbase de Inos B n'est pas encore aussi large que ça. Qu'on ne se voile pas la face. Moi, je dis les choses comme je les sens. Hein. Ça n'engage que moi. Mes propos ne sont pas paroles d'évangile. Ok? Jérusalem a connu un succès planétaire. Du coup, les votes ont été un peu plus fluides. Jérusalem est maintenant très sollicité partout à travers le monde à cause du succès que ça venait d'avoir. Inos B a juste eu le couac par rapport à Jérusalem. Mais je répète, c'était aussi une question des votes. Les catégories où Inos B était nominé, il y avait qui là-bas? Il y avait les Ninho, les Dadju, les Fally, les Aya Nakamura. Attendez quand même 2 secondes. Il y a une catégorie où j'ai vu Matt Pokora, ou je sais pas moi qui. Il n'y avait que des grands. Or, lui, c'est vrai, il a commencé sa carrière peut-être il y a 9 ans de cela. Mais, 9 ou 10 ans, si je ne me trompe pas. Mais, le succès de Inos B est très récent. Le succès de Inos B est très récent. Donc, face à ces poids lourds-là, si même Ninho, qui a été certifié tout le temps, n'a pas remporté, pose-toi des questions. C'est pas comme s'il prépare toujours les trucs. C'est pas comme s'il prépare toujours les trucs. Mais que Inos B dise que ouais et tout, il croit pas à ces choses, il fait pas sa musique pour les trophées. Moi, je pense que ça c'est, excusez-moi d'utiliser le mot, un caprice au fait. On ne donne pas les trophées parce que les gens se plaignent. On donne les trophées parce que les gens méritent. Je ne dis pas que les autres n'ont pas mérité ou que Inos B n'a pas mérité. Mais moi, je serais Inos B, je me dirais que waouh, si déjà on commence à me nominer, Inos B n'a pas été nominé dans des petits trucs. On ne vous parle pas de Mwanamboka ou Bravo X. On vous parle des BET, on parle de Afrima. À l'instant où tu es en train d'être nominé dans des trucs des grands comme ça, et dans les catégories où tu es nominé, il n'y a que des grands. Dis-toi, tout simplement, sois fier au fait que je suis maintenant dans la cour des grands. Je suis maintenant dans la cour des grands. Tu n'étais pas nominé dans des catégories avec des petits artistes, des newcomers. Non, tu étais nominé avec des grands, des gens qui ont des certifications, des gens qui ont des nominations tout le temps, des gens qui ont un succès de fou, qui ont un succès de fou. Donc déjà, sois fier rien que pour ça en te disant que ouais, c'est vrai que j'ai pas remporté, je remporterai. Mais déjà, le fait que je suis nominée au BET et là maintenant c'est à Frima, ça veut dire que c'est pas n'importe quoi. Il y a de ces discours qu'on ne tient pas comme ça en public. Parce que tu le dis peut-être en Lingala, il y a peut-être d'autres communautés qui suivent. Hein.
Ça ne te vend pas très bien, au fait. Ça ne te vend pas très bien. Tu viens à peine de commencer à être nominée. Ceux qui peuvent. Les Aya Nakamura se plaignent, elles sont tout le temps nominées. Hein. Elles peuvent faire un caprice, on lui nomine quelque part, elles refusent d'aller. Toi, tu es dans tes débuts. Tu as besoin de ces nominations-là pour que tu sentes que, voilà, ça y est, je suis en train de monter. Peut-être à Frima cette année, tu n'as pas réussi, mais peut-être l'année prochaine, tu vas réussir. Peut-être qu'à Frima cette année, tu n'as pas réussi, mais une autre année, tu vas réussir. Si on veut mettre face à tous ceux qui ont mis là, Inosbi, tu as de la chance. Tu montes, mais à grande vitesse. Et là où tu étais nominé, c'est pas n'importe quoi. Tu vois. Aujourd'hui, ouais, ce sont des trucs préparés. Ah bon? Regarde comment oh, tu fais ta musique, pas pour les trophées. Il y a de ces choses que l'on ne dit pas. Tu parles avec Diamond Platinum, tu as fait le feat avec. Tu parles avec les Damso. Pose-leur la question, hein. Dans la musique, il y a de ces langages qu'on ne tient pas parce qu'il y a des producteurs, il y a des ceci, il y a des cela qui te regardent aussi. Tu vois? Regarde comment est-ce que. Comment on appelle Diamond Platinum a classé ses trophées quand il a reçu Kofi. Il a classé, il les a étalés, il les a arrangés comme ça. C'est un honneur. Ces nominations-là ou encore ces trophées, ces récompenses-là, peut-être que ça ne vient pas forcément avec une enveloppe, mais seulement le fait de les avoir et de les classer comme ça veut dire que j'ai fait des choses qui ont été appréciées partout à travers le monde. Les Afrima, les BET, ce n'est pas n'importe quel trophée, hein. Ce n'est pas n'importe quelle nomination, hein. Ce sont des trucs de grands, ce n'est pas des petits trucs. Ne te laisse pas emporter par ce que les gens racontent sur les réseaux sociaux. Toi, tu as besoin de cette visibilité-là à l'international, que les gens ne te mentent pas. Cette polémique communautaire-là des Congolais, elle l'autre, à faux trophée, bah Congolais, des bolobans. Aya Nakamura se plaint pourquoi si c'était des trucs terre à terre. Les grands, là, ils attendent ça pourquoi? Regarde comment est-ce que si c'était des trucs terre à terre, regarde comment est-ce que Diamond Platinum a classé ça, il a arrangé ça, il a mis ça au propre. En avant, pam, on voit, c'est Afrima. Quand c'est une autre personne d'un autre pays, ça a de la valeur. Quand c'est chez vous, c'est traité comme je ne sais pas moi quoi. Tes frères congolais ont eu, sois fier. Sois fier. Tu pouvais faire un discours simple, un discours mature, en disant, en tout cas, ça fait plaisir de voir qu'il y avait trois Congolais qui ont été nominés. Mes deux frères ont réussi. Chapeau bas à eux. J'espère que mon tour viendra. Vous avez vu comment. Vous voyez maintenant, aujourd'hui, on ne peut plus douter de mon succès nominé au Afrima, nominé au BET. Chose que beaucoup de grands rêvent. Et comaté. Bagom changer combo ba nomination ba poni ba mo lo msu parce que ba ninga msu ba za nominé kuna bagom msu somo ba tenir ba discours msu ba tenir on parce que ba za ce yo ka so ba nominé bon ka yo nominé ka ya pamba et si ka ba nominé yo inosbi certains n'allaient pas tenir certains discours. Je cite le nom des personnes, hein. Je passe comme ça vite fait. Tu vois. Ouais, je félicitations à eux certainement bientôt. Je remporterai. Tu mobilises ta fanbase. Tu dois, au fait, toi, tu es en train de travailler. Tu dis ce succès, tu vois ce succès-là que tu dis avoir. Les 1 million, les 2 millions, etc., etc., que tu fais sur les réseaux sociaux, il faut calculer aussi Google Ads. Hein? Quand à chaque fois que tu fais ça, tu te dis, voilà, Google Ads a servi beaucoup en visibilité. C'est-à-dire, en visibilité, maintenant, tu es connu. Tu as fait tous les vues que tu as fait là. Tu es en train de créer ta fanbase. Et tu dois continuer maintenant à te maintenir par rapport à cette image-là. Tu as les followers que tu as aujourd'hui et les vues que tu fais là. Maintenant, comme tu es nominé, ces gens-là te regardent, disent, ah ouais, ils ont du potentiel. Si aujourd'hui, ils se sont abonnés à ta chaîne, ils sont abonnés à ta chanson et tout, mais quand il fallait voter, ils ont voté par exemple Dadju ou Nino ou Aya Nakamura. Toi, tu dois maintenant faire en sorte que ces gens-là commencent à trouver leur intérêt aussi. Que plus tard, quand ils auront aussi le choix, qu'ils disent, non, l'autre fois on avait voté Aya Nakamura, aujourd'hui on va voter Inosbi. Tu dois créer ce climat-là au fait. Tu dois créer ce climat. Le monde de la musique, les gens sont très compliqués. Moi j'ai vu des gens se faire boycotter ailleurs à cause d'un petit discours. Moi je te conseille pas. Faut être très 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 plus prudent et voilà, fais les choses bien, fais les choses bien. Tu vois, les Diamonds classent leurs trophées. Kofi Olomide, est-ce que les Kora existent encore? Je crois plus. En tout cas, je ne sais pas, mais je ne crois pas confirmer. Mets-moi ça dans les commentaires. Kofi Olomide est resté quadra-kora-man. Il n'a pas reçu ses quatre koras. Il n'a pas reçu ça chaque année. Il a reçu ses quatre koras normalement jusqu'à ce jour. Kofi Olomide, la légende de la musique congolaise, jusqu'à ce jour, on l'appelle quadra-kora-man. Il connaît la valeur de ces choses. Pose-lui la question. Tu es un artiste, tu dis que tu vises aller loin, tu veux devenir grand demain, du succès, etc., etc. Mais s'accompagner des trophées. S'accompagner des trophées, ton aîné Diamond a classé ça comme ça. Et
Il y a des choses qu'on, il y a des discours qu'on ne peut pas tenir. Si tu veux aller loin, tu ne peux pas te permettre de tenir de tels discours à la télé. Voilà pourquoi les archives aujourd'hui, comme Obima, cause à propos de Zorobalélo, pour l'obibo y habiter. Kofi quoi encore en main jusqu'à ce jour? Pose-lui la question. Il peut jamais. Si tu demandes à un aîné, ils vont te dire. Donc tu ne peux jamais tenir de tels discours. Tu viens à peine de commencer, Zomata et Omata. Bah, comme les gens qui ont nominé au dans des trucs de grandeur, estime-toi heureux. Il y a les quadres encore à main, il y a des gens qui mettent en avant leurs trophées, les Gims classent leurs trophées. Toi, tu vas dire que tu ne fais pas ta musique pour les trophées. Aucun artiste ne fait d'abord sa musique en premier pour les trophées. Il n'existe pas. Les artistes font leur musique avec espoir que demain, si ma musique cartonne, qu'on puisse récompenser, c'est tout. Ils ne l'ont pas demandé. Au football, hein, il y a les Kylian Mbappé, les Messi, les Cristiano et tout. Ce qui leur différencie, c'est les ballons d'or. Mbappé ne peut pas se permettre de dire « Je suis plus que Messi » parce que on parle en termes de ballons d'or. En termes de récompenses et tout ça. Toutes ces choses-là qui se passent autour du foot. Tu vois? Même dans la musique aussi, ça existe. Ça existe. Tu as été nominé où? Que dans des petits trophées? Tu as fait Afrima, tu as fait BET, tu as fait ceci, tu as fait cela. Tu as fait Energy Awards, tu as fait MTV. C'est les questions qui se posent. Ils discutent en termes de trophées. Tu es dans tes débuts. Tu ne peux pas te permettre de minimiser ces choses. Demain, on va dire, ok, d'accord, tu avais eu du succès comme tu voulais avoir le succès, ok. Mais tu as été récompensé. Oh. Et ça parle aussi. Tu penses pourquoi est-ce qu'il le classe? Ça fait plaisir de voir que j'ai fait ma chose et puis voilà, ça réussit. On m'a donné 500 nanani et nanana. Tu es dans tes débuts. Il y a des langages que tu ne peux pas tenir dans le business. Tu es un artiste, tu peux pas dire que tu fais pas ta musique pour les trophées. C'est impossible. Oh, tu fais ta musique pour le succès. Mais c'est une suite logique. Si tu as du succès, tu as fait des choses qui ont cartonné pour tes fans. Ils ont voté pour toi. La suite logique, c'est les trophées. Si on te nomine et que tes fans votent pour... Donc, c'est-à-dire que toi, tel que tu as, tu dis à tes fans, peu importe là où on va, vous allez me voir nominer, je ne fais pas ma musique pour ça, alors ne me votez pas. C'est ce que tu dis automatiquement. Tout artiste, que tu le dises ou pas, n'attend qu'une récompense à la fin. N'attend qu'une récompense à la fin. Pourquoi les gens courent pour faire les comment on appelle ça? Les achats en ligne sur les plateformes de téléchargement. Au fait, c'est dans notre communauté que les gens minimisent tout et n'importe quoi. Que les gens minimisent même les choses qui ont de la valeur, ça devient ridicule. Vous allez partout ailleurs à travers le monde, ces mêmes trophées que vous minimisez dans la communauté là sont respectés, sont mis en avant. Les grandes stars classent ça dans leur vitrine à trophées, ils mettent ça, ils installent. Vous venez raconter des conneries. J'ai l'impression que des fois, certains trucs que nous disons, c'est ce qui est à la base de beaucoup d'échecs chez la plupart de nos musiciens. Donc faut être très prudent. Faut être très prudent. Toi, tu ne peux pas tenir ce genre de discours. Inosbi, tu as eu de la chance, ta carrière, tu as commencé à 9 ans, mais ta carrière a commencé à décoller. Donc, toi, tel que tu es là, tu dois jouer sur ton image, sur ton langage et sur tout ce que tu fais. Parce que tout est suivi. Il y a peut-être un producteur qui veut signer avec toi, qui est, je ne sais pas moi, en Amérique de je ne sais où. Hein. Il est assis, il est en train de te regarder. Il a vu ta sortie, les trucs, tu as fait Abeda Show, il a vu tu as fait Yopé Remix avec Diamond, il a dit il y a du bon, il y a du bon. Il a vu tu as fait Hollande, il dit il y a du bon. Il est en train de t'observer. Mais à cause peut-être d'une certaine attitude, indépendamment de ta volonté. Deux fois, regardez ce qui se passe aux États-Unis. Un artiste qui était très influent et tout, il n'a plus de succès. Cherche à savoir, cet artiste-là n'a plus de succès, pourquoi? Il y a des artistes qui ont perdu leur fan ou encore leur crédibilité ou à cause peut-être parce qu'il avait manqué du respect à un aîné ou parce qu'il a tenu un mauvais discours envers peut-être les fans ou encore envers une certaine communauté des homosexuels ou les nannies. À tenir qu'à propos moi ou l'église catholique à s'attaquer na bango etc. Donc à l'instant au sali carabongo mbamo ko perdre batou. Yo faut être très prudent. Surtout quand tu fais les lives, sois très prudent sur ce que tu dis. Parce que les lives, ça ne se récupère pas. Tu peux te dire, ah, Nagafa qui en a retiré live. Mais les gens ont déjà copié ça et c'est parti. C'est parti, tu viens de commencer à avoir ton succès. Et quand tu as dit là, Sokozo qui n'a pas caprice, moi, la musique, elle a un monde à caprice. Afrimeze à Bakongolete. Afrimeze à Bakongolete. Et pour le truc de Afrima, il s'agissait des votes. C'était une question des votes. Nous savons tous que Inos a commencé sa carrière il y a 9-10 ans. Mais, à combien il a un succès récemment?
Alors, tant qu'on va nominer dans ma catégorie face au Dadju, au Nino, au Ayana Kamoure et consorts, quand même, c'était des personnes qui font Youare na plein, etc., etc., Stade de France et nanani et nanana. Bah, vendit sa public. Inosbi est en train de faire asseoir un public. Inosbi ne va pas se dire que, ouais, j'ai des fans propres à moi. Il a les amoureux de la musique qui l'accompagnent. Il a peut-être quelques noms qui l'accompagnent, mais face au Dadju et les Ayana Kamoure et consorts, Bato Azaki na maon, Kalini na ba catégorie, voilà. Ça pesait quand même, ça pesait. Et malheureusement, Inosbi Afrima est comme une période où Jérusalem a un succès, makasi. Ce serait sorti plutôt Afrima n'y a les cas avant, moi Jérusalem a certainement peut-être que Inosbi Yope influencé par la présence de Diamond Platinum dans le feat, et l'inga qui est remporté. Oui, il y avait des fortes probabilités, mais si seulement on doit tenir compte des votes, Inosbi était face aux personnes qui ont déjà fait asseoir un public. Donc c'est tout à fait normal. Bafane Inosbi o ba compagnie kaka Inosbi na nga communauté na biso baza mingité la plupart to yebi que les amis ba fane ya faire rigole à tout ça ba golo ba prêter vraiment main forte. Nous ne sommes pas sans ignorer. À l'international, Inosbi est encore en train de se vendre, il a encore des preuves à faire et s'il faudrait face au Dadju tout ça que mouta voter pena boy na ndenga ah. C'est vrai qu'il y aura ceux qui ont quand même dit ah on vote Inosbi, mais dans la plupart de cas, mais le choix est clair. Face aux personnes qui ont beaucoup de followers, qui ont une expérience, qui ont des années, qui ont déjà fait asseoir leur fanbase et tout ça, non mon followers au bazar en termes de notoriété tout ça, c'est tout à fait normal, c'était prévisible quand même à un moment donné qu'on se le dise. Les 100 millions de vues qu'Inosbi fait, ou les 8 millions de vues qu'il peut faire sur une vidéo, ça ne veut pas dire que c'est le nombre des fans d'Inosbi, au fait. Non. Tout le monde, même tes détracteurs, peuvent suivre ton contenu et cliquer « J'aime s'ils apprécient cette chanson ». Par exemple, Yopé Remix. Qui peut dire que Yopé Remix y a rendu mon mabé cartonnaté? À moins qu'on a de mauvaise foi. Même les détracteurs de Inosbi ou les personnes qui n'apprécient pas Inosbi ont aimé cette chanson. Mabé Taron n'a pas fait Nambango. Mais il ne s'agit pas des millions de vues qu'on peut faire sur un contenu qu'on propose sur YouTube. Il s'agissait des votes. À un moment donné, c'était un minimum prévisible s'il fallait faire le choix. Tendance n'est pas à moi un peu moins compliqué. Et moi, je pense que Inosbi doit plus rester sur les signes, en fait. Il a été nominé dans la cour des grands, avec les grands autour de lui, et tout. Bato va faire asseoir moins notoriété, n'a pas mandat kala et tout. Et voilà, c'est déjà bon signe, c'est bon, ça va. Tout de suite, il fait un truc qui cartonne et tout. Et face à Jérusalem, c'était quand même minimum prévisible et tout. Moi, je ne vois pas pourquoi est-ce que Inosbi, tu vas venir tenir des discours qui peuvent te causer préjudice. Non. Au fait, c'est dans notre communauté que les gens minimisent tout et n'importe quoi. Que les gens minimisent même les choses qui ont de la valeur, ça devient ridicule. Vous allez partout ailleurs à travers le monde, ces mêmes trophées que vous vous minimisez dans la communauté là, sont respectés, sont mis en avant, les grandes stars classent ça dans leur vitrine à trophées, ils mettent ça, ils installent, vous venez raconter des conneries. J'ai l'impression que deux fois certains trucs que nous disons, c'est ce qui est à la base de beaucoup d'échecs chez la plupart de nos musiciens. Donc faut être très prudent. Faut être très prudent. Toi, tu peux pas tenir ce genre de discours. Inosbi, tu as eu de la chance, ta carrière, tu as commencé à 9 ans, mais ta carrière a commencé à décoller. Donc, toi, tel que tu es là, tu dois jouer sur ton image, sur ton langage et sur tout ce que tu fais. Parce que tout est suivi. Il y a peut-être un producteur qui veut signer avec toi, qui est, je sais pas, moi, en Amérique de je ne sais où. Hein. Il est assis, il est en train de te regarder. Il a vu ta sortie, les trucs, tu as fait Abeda Show, il a vu tu as fait Yopé Remix avec Diamond, il a dit il y a du bon. Il a vu tu as fait Hollande, il dit il y a du bon. Il est en train de t'observer. Mais à cause peut-être d'une certaine attitude, indépendamment de ta volonté. Deux fois, regardez ce qui se passe aux États-Unis. Un artiste qui était très influent et tout, il n'a plus de succès. Cherche à savoir, cet artiste-là n'a plus de succès, pourquoi? Il y a des artistes qui ont perdu leurs fans ou encore leur crédibilité ou à cause peut-être parce qu'il avait manqué du respect à un aîné ou parce qu'il a tenu un mauvais discours envers peut-être les fans ou encore envers une certaine communauté des homosexuels ou les nannies. À tenir qu'à propos moi, l'église catholique, à s'attaquer na bango, etc. Donc, à l'instant, au sali carabongo, mbamoko perdre batou. Yo, faut être très prudent. Surtout quand tu fais les lives, sois très prudent sur ce que tu dis. Parce que les lives, ça se récupère pas. Tu peux te dire, ah, Nagafa qui en a retiré live. Mais les gens ont déjà copié ça et c'est parti. C'est parti, tu viens de commencer à avoir ton succès. Et quand t'as non nanzela, sokozo qui en a ba caprice, moi, la musique, il y a un monde à caprice. Bah, frimana, et y a ba congolette. Tu vois. Et aussi,
Pour finir, Inosbi, tu dis que ah, bande mounangaï, et au sala succès, nana ebite, Hollandie kangi, nzemouni, ni botang et nzemouma, ou esan a succès pour les Kaolandi. Quand on te parle d'une chanson qui a du succès plus qu'Hollandie na minuto. En tout cas, il y a de ces discours que vous-même, les artistes, vous ne pouvez pas tenir. Moi, je peux m'asseoir, je peux me permettre de dire. Moi, je suis youtubeuse au fait. Moi, je peux me permettre de lancer des pics. Je suis youtubeuse, je suis congosseuse. Je peux lancer des pics sur tel produit, je lance sur tel autre produit. Il y a un autre qui est youtubeuse. Et youtubeuse, c'est comme ça que ça se passe. C'est faux. On a vu l'affaire Mike Kalamba et Peignel. Adrienne Luc, première dame. Tout le monde va faire Moïse Mbia. Adrienne Luc, on va se pencher dans le monde. Tout le monde a opéra qu'on a penchant dans Ezaki Barack Obama. On a le droit d'avoir un penchant, on a le droit d'avoir une position. Mais à l'instant où on insulte personne, moi je peux parler d'un truc sur deux personnes, je prends le penchant de telle personne, j'ai le droit. À l'instant où je n'insulte personne, ma neutralité c'est quand je sais dire vrai sur quelqu'un. Je dis toujours vrai quand je dis Olandi, c'est le son de Inosbi qui a le plus cartonné, qui a le plus de succès. Oh, t'es ma boy Olandi, azate. Mais maintenant, il y a des discours que toi-même, tu ne peux même pas tenir. Na minito ba vieux, non, ba soutenir, ba faire ego là. Ba bimisi ba nzemboulo, ba regarde-moi. Regarde-moi et Betty, regarde-moi et salut et salibou, etc. etc. Ba to ba voter pour osa nominer na Afrima. Plutôt osa la peine na ba chiffre tant osa ki nominer na Afrima. Et zape ba gaulois. Les fans de faire ego là ont voté pour toi. Les fans de Ferrigo là ont voté pour toi au Afrima parce que Ebika guerre à musique né Kinara. C'est genre les Warriors. Si toi et Gaze Mawet et vous vous retrouvez tête à tête dans un truc, c'est clair que les Warriors vont voter Gaze. Et les Gaulois aussi ont voté pour toi pour te soutenir. Ba fan à la team moi t'as voté qui peut pour Nayo, qu'on peut voter qui peut pour Nafali, qu'on peut voter qui peut pour Gaze Mawet. Na minute ba désolé zo bêta. Na minute ba regarde moi zo bêta. Yo lancé pena pic ou ana un batalio. Ah bon? Biso ba regarde moi beti biso ne te vota qui est na frima. Parce que yé a oloba que nzembu na to tanga ba tanga nzembu ezo beta ko leka. Ya yé. Ah bon? Do ya mon pena que nzembu ne leki regarde moi. OK. Ya mon pa que nzembu ne leki désolé. OK. Donc nzembu ne leki di banga. OK. Et si kan ami toi ba tout. Ezo tika la. Tu pouvais te limiter à dire, vous savez que j'ai sorti un son à succès, Moutorbo et Hollandité. Hollandais, ça son mot et Kangi, Moutorbo et Mouazate. Parmi les sons, ils ont été un succès, Bozan a autant Hollandité. Peu bien, niveau ni Hollandais, ça n'a pas. Eh, non seulement, en termes de vue, tout au lobaté, pour ma vue, elle est qui déjà, Botan et la sonne, elle est. Après, chacun a le droit de vendre son produit. Moi, je te dirai pas comment gérer ta carrière, mais il y a des épis que tu lances. Parce que quand les gens voient, disent ah, donc le gars, ah, ok, c'est bon. Ah, ok. Eux, ils t'accompagnent dans tout ce que tu fais. Ils ont aussi un artiste qui peuvent soutenir pour que tu aies comme appelé dans ma nomination. Mais bah, tu es là qui m'a beau. Moi, ma inavigne, on a yo. Après, tu parlais de toi. Donc, au fait, non, après, tu parlais de toi. Ça y est, tu es dans les nominations, les BET, les Afrima. Ça y est, tu es dans les votes. Ça y est, tu sors des trucs à succès. Hein, Moutorbo, tu parlais de toi, tu parlais de ton produit. Donc, chacun a le droit de vanter son produit. Ce côté, moi, je dis juste que quand tu as face à toi des gens qui t'accompagnent, oh, le bara, son dans les ans à succès, salut-moi simplicité, moi, ils arrivent bien. J'ai dit ça, je dis rien. C'est à prendre ou à laisser. Mais en ce qui concerne les trophées, c'est là-bas que je vais m'asseoir le plus. Où je dis qu'un artiste qui vise grand, qui vise loin, ne peut pas tenir des discours comme quoi ouais, et tout, moi je ne fais pas ma musique pour les trophées. Tu te mets déjà des barrières. Tu as des producteurs qui voudront certainement venir travailler avec toi. Et puis des discours qui peuvent... il faut, surtout quand c'est un discours par rapport à un choc que tu as reçu, il faut gérer, parce que le monde te regarde, le monde te suit, parce que
faut que tes discours dans les médias soient remplis de sagesse et de maturité. Sinon, ça sera un coup que tu te mets en plein gueule, au fait. Après, ça, après je dis ça, je dis rien. Après, je dis ça, je dis rien. Donc voilà, vous allez demander mon avis un tout petit peu dans l'ensemble, c'est ça. Inosbi doit être un peu plus prudent dans ses passages médiatiques. Deux fois, les gens disent que ouais, tu es très intelligent, tu es très sage, oui. J'ai toujours dit, à chaque fois que les gens t'applaudissent, l'ourata, bateau va boyer le royal lobby, ata va deux, oyo qui bango quand même, peut-être que vérité peut batami chez les deux personnes, voilà. Donc voilà. Mais sinon, courage à toi, ça fait très mal, ouais. C'est vrai, tu as du succès en ce moment, oui, tu as du contenu, oui, ça va, c'est bon, tu évolues, tranquille, ok. J'ai vu tes prestations, tu pars jouer de gauche à droite. C'était une campagne électorale où tu as presté dernièrement, si je ne me trompe pas, où c'était dans le stade là et tout. J'ai vu des images, tu as invité maintenant par-ci, par-là et tout, tes calendriers sont maintenant calés. Dans une année, en tout cas, Inos B fait partie des artistes qui prestent aussi maintenant, hein. Il a maintenant des calendriers, des invitations, en tout cas chapeau bas. Et courage pour ta carrière, fais juste les choses bien et tout. Sois un peu plus prudent dans ce que tu dis, dans ce que tu fais, pour ne pas vexer même ceux qui t'accompagnent et te soutiennent. Donc voilà, vous avez demandé mon avis, c'est juste ça. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Dites-moi ce que vous avez pensé de sa réaction dans l'espace commentaire. Je vous dis à très prochainement. Bisous, bye.